Kalachnikov, нет? Привет, Лен. Привет. Ты тоже, да, с нами? Нихуя себе. Меня вот эти два, да? Они снимают нас конкретно. Ну, там, мы еще, наверное, другие. Ouais. La zone industrielle de Hamier est juste derrière. Bon, en général, ici, c'est un lieu d'évacuation, c'est un lieu où on dépose le personnel pour qu'il monte après sur la pression, sur la zone industrielle elle-même. En général, ici, on bosse avec les drones, donc on fait décoller les drones au-dessus du pont. En fait, on ne peut pas aller à gauche, à droite, devant, derrière, parce qu'il y a le REM qui est actionné ici. Donc en général, on décolle l'oiseau ici. Donc les lance-grenades automatiques et t'as des positions ukrainiennes dans la zone industrielle, on connaît déjà où ils sont et en général on essaie de repérer les rotations, donc quand ils sortent des bunkers, quand ils marchent dans les tranchées ou en dehors des tranchées, on essaie de les repérer et soit on travaille avec l'artillerie AGS ou on travaille avec nos drones aussi pour leur balancer des grenades. Comme je dis, les drones, on les fait décoller ici, mais il y a certains modèles qu'on peut envoyer là-bas aussi. Donc ça, on l'a déjà fait. Donc, si tu viens ici... Là, bien géré. Ah, celui-là, il est plein. Сейчас у нас обстановка в целом такая.
Fais gaffe à sa tête, hein. Good job. Good job. Ah merde, je crois que t'étais passé. Est-ce que le fait d'être français te pose pas trop de problèmes ici sur la ligne de front? Disons, avant d'être français, je suis né ici. Il s'agit de ma terre. Je suis lié à elle par le sang. Tu es né où exactement? Voilà, que les Français comprennent bien, voilà. C'est que tu es ukrainien. Tu es de terre, tu es né de exactement. Terre ukrainienne. Pour moi, le Donbass, c'est ma terre natale. Mes parents sont tous les deux d'ici. Voilà. Donc, contrairement à ce que disait LCI, voilà. Tu n'arrives pas de la France comme un petit. De me faire passer pour un Français lambda qui est parti combattre pour l'action, pour l'argent, pour je ne sais quelle raison. Mais la raison principale, c'est surtout qu'il s'agit d'une cause personnelle. Et donc, effectivement, bon, LCI, ils sont sympas en réalité. On va dire que grâce à eux, j'ai gagné énormément en popularité. Donc c'est en quelque sorte mes agents de presse, et c'est vrai que c'est très sympa de faire ça gratuitement, en plus pour moi. Et surtout, Nicolas Quenel, c'est mon attaché de presse, maintenant. Ah, donc, carrément. Voilà, ce qui est dommage, c'est que il fait une enquête pendant un an, mais en plus, il sait rien sur moi. Donc, Est-il déjà venu te voir ici, ou est-il déjà venu au moins une fois au Donbass? D'accord. Je suis prêt à lui donner une interview, mais il faudrait qu'il vienne la faire ici même. Donc il a fait un an d'enquête sur le Donbass sans être venu une seule fois au Donbass, alors exactement. Que c'est ouvert aux journalistes. Bon, on va dire que c'est du niveau du journalisme français classique, hein, de faire des enquêtes sans savoir de quel sujet il parle. C'est tout à fait normal, mais je comprends. C'est du niveau de médias français gouvernementaux, on va dire. Exactement. Mais en tout cas aussi, si Nicolas Quenel, mon attaché de presse, veut me rencontrer, moi je suis prêt, qu'il vient. Super, petit chien de la guerre. Oh Titi, c'est ton petit quoi? C'est ton petit... Oh Titi, Titi d'amour. C'est ton petit coin d'amour. Chien de la guerre. Un petit chiot de la guerre. Oh, une grosse patte. Et...
Où es-tu, petit chien de la guerre? Où es-tu, petit... Bien, Jerry. Ah, celui-là, il est plein. Edouard, t'as pris ta radio? Ok, c'est en cas de problème. Ouais, c'est un bon. Bien se péter la gueule, là on est bien. Putain, j'aurais dû garder ma veste. Tac. Pas si beau. Tac. Attends, je me mets derrière. Pas si beau. Tac. Мы вас не видели. Ну, мы здесь тоже снайпера находимся на всех позициях. Тут ДПС до леса. Так, сейчас, пожалуйста. Эдуардо. Эдуардо. Лучше недолго это делать. Да. Alors, Sergueï, quel est ton vrai métier ici maintenant? Moi, je suis guide touristique. Ah. Et donc, j'ai une agence de voyage qui propose des activités très sympas ici. Bon, alors, déjà, il s'agit du Donbass, c'est une très belle terre, il y a des beaux paysages. Et, petit feu d'artifice, on peut entendre? Oui, alors là, il s'agit d'activités de divertissement. On propose ça aussi. Donc, vous pouvez venir ici. Je crois qu'il y a un atelier qui s'appelle Lancer de Grenade. Je crois que tu es d'ailleurs tu es formateur et tu c'est un atelier parmi tant d'autres, mais il y en a beaucoup. On peut découvrir tout ça. Vous venez ici, je m'arrange de l'organisation de votre venue et je vous assure pendant 6 mois d'avoir des activités très intéressantes.